Ces ouvrages d'art ont jeté les bases d'une vraie politique hydraulique. Aujourd'hui, près de 140 barrages alimentent les agriculteurs en eau. De ce souci de l'eau est né un art, un savoir-faire qui a donné naissance à de remarquables bassins. Certains sont vieux de plus de 700 ans. Le bassin de la Ménara est alimenté par un système hydraulique. Il achemine l'eau depuis les montagnes, à 30 km environ de la ville de Marrakech. Ce bassin permet l'irrigation de l'oliveraie qui l'entoure. La Ménara. On ne compte plus les légendes qui sont nées de ce lieu. On raconte que le roi Moulay Ismail y aurait noyé nombre de ses conquêtes après les avoir séduites. D'autres disent que sous le bassin se trouve le trésor que le sultan Abu Bakr ibn Omar aurait rapporté d'Orient. Reste un lieu à part, loin de la folie du centre de Marrakech. Une promenade pour les amoureux. Marrakech a été fondée au XIe siècle par une femme, Zineb Nfzawiya, l'épouse du roi Youssef ibn Tashfin, qui rêve de conquête. Son mari parti en guerre, Zineb Nfzawiya s'établit dans cette palmeraie au pied de l'Atlas. C'est elle qui en conçoit les tracés et qui administre ce qui est rapidement devenu une cité prospère. Derrière ces remparts robustes, Marrakech, la ville impériale, est devenue l'une des capitales du tourisme mondial. Mais même au cœur des lieux les plus visités, l'âme de la ville est restée vivante. La place Jemaa el Fna reste une scène de spectacle à ciel ouvert. Un lieu où s'entend encore le génie des conteurs, les rires, les prophéties des voyantes, où les discours sacrés côtoient les paroles profanes. Jemaa el Fna garde le souvenir de ce temps où le réel et l'imaginaire se confondaient.